Plusieurs indicateurs macroéconomiques seront publiés aujourd'hui aux États-Unis, à côté des inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont attendues en légère progression. On aura l'indice des prix à la consommation. Celui-ci est prévu en petite baisse pour le mois de juillet à 3,3% en rythme annuel contre 3,6% au mois de juin.